Tout de suite, retrouvez la chronique du docteur Nawalzin Santé Ramadan du site santéramadan.fr. Bismillah, alhamdulillah, wa salat wa salam ala rasulillah. Assalamu alaikum. Dans cette série de chroniques liées à l'hygiène dentaire, nous avons vu que la médecine préconise le brossage dentaire après chaque repas, soit 3 fois par jour, alors que, dans la tradition musulmane, la prescription est beaucoup plus importante puisque la sunna du prophète alayhi salatu wassalam est de se brosser les dents avant chaque prière, soit 5 fois par jour. D'un point de vue scientifique, les bactéries se multiplient continuellement et le fait de se brosser les dents désorganise cette plaque bactérienne et l'élimine. Pendant le mois de Ramadan, certaines personnes préfèrent ne pas se brosser les dents du suhoor jusqu'au iftar pour deux raisons. La première, éviter d'avaler du dentifrice. Or, on ne peut pas avaler sans s'en rendre compte, à moins d'être endormi. De plus, pendant le mois de Ramadan, nous ne suspendons pas la prière ni les ablutions. Et nous nous rinçons la bouche 5 fois par jour sans avaler une goutte d'eau, à moins de le vouloir. La deuxième raison évoquée serait parce que le prophète alayhi salatu wassalam a dit « La khulufu fami ssa'im ahabbu ilallahi min rihil misk ». Les restes d'odeur de la bouche du jeûneur sont plus agréables auprès de Dieu que l'odeur d'un doux parfum. Il faut savoir que ce hadith a été donné en réponse aux compagnons de l'époque qui étaient gênés par les restes d'odeurs qui se dégageaient de leur estomac. En effet, les odeurs qui s'expriment par la bouche ont essentiellement 3 origines. La première, la cavité buccale. La deuxième, le carrefour oropharyngé, ce qu'on appelle aussi le fond de la gorge. Et la troisième, c'est l'estomac. Et c'est de cette partie que sortent les mauvaises odeurs, plus ou moins fortes selon les individus, quand la personne jeûne et qui est incontrôlable. Se brosser les dents est un acte d'adoration quotidien qui fait que le musulman prend soin de son corps et de sa santé et recherche la satisfaction de son Seigneur. Il faut également garder à l'esprit que le dernier geste du prophète alayhi salatu wassalam avant de rejoindre l'éternel est d'avoir utilisé un siwak pour se brosser les dents. Sallallahu ala Muhammad. Que la paix soit sur tous ceux qui la recherchent et l'appellent de leur vœu. Wallahu a'la wa a'lam wa ahkam wa salamu alaykum. C'était la chronique du docteur Nawalzin du site santéramadan.fr, une chronique que vous pouvez réécouter sur le www.francemaghreb2.fr.